Robinson s'était longtemps demandé comment il appellerait l'Indien. Il ne voulait pas lui donner un nom chrétien aussi longtemps qu'il ne serait pas baptisé. Il décida finalement de lui donner le nom du jour où il l'avait recueilli. C'est ainsi que le second habitant de l'île s'appela Vendredi. Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de son maître. Il savait aussi défricher, labourer, semer, percer, repiquer, sarcler, faucher, moissonner, battre, moudre, pétrir et cuire le pain. Il savait traire les vaches, faire du fromage, ramasser les œufs de tortue, en faire une omelette, raccommoder les vêtements de Robinson et cirer ses bottes. C'était devenu un serviteur modèle. Le soir, il endossait une livrée de laquais et assurait le service du dîner du gouverneur. Puis, il bassinait son lit avec une boîte en fer remplie de braise. Enfin, il allait s'étendre sur une litière qu'il tirait contre la porte de la maison et qu'il partageait avec Ten. Robinson, lui, était content parce qu'il avait enfin quelqu'un à faire travailler et à qui il pouvait tout enseigner de la civilisation. Vendredi savait maintenant que tout ce que son maître lui ordonnait était bien, que tout ce qu'il lui défendait était mal. Il est mal de manger plus que la portion prévue par Robinson. Il est mal de fumer la pipe, de se promener tout nu et de se cacher pour dormir quand il y a du travail. Vendredi avait appris à être soldat quand son maître était général, enfant de chœur quand il priait, maçon quand il construisait, porteur quand il voyageait, rabatteur quand il chassait et à balancer la chasse-mouche au-dessus de sa tête quand il dormait. Robinson avait une autre raison d'être content. Il savait maintenant que faire de l'or, des pièces de monnaie qu'il avait sauvées de l'épave de la Virginie. Il payait Vendredi un demi-souverain d'or par mois. Avec cet argent, Vendredi achetait de la nourriture en supplément, des petits objets d'usage courant venant aussi de la Virginie et tout simplement une demi-journée de repos. La journée entière ne pouvait être achetée. Il s'était fait un hamac entre deux arbres où il passait tout son temps libre. Vendredi avait su s'attirer la bienveillance de son maître par plusieurs bonnes idées. L'un des grands soucis de Robinson était de se débarrasser des ordures détritus de la cuisine et de l'atelier sans atterrir les vautours ni les rats. Or, il ne savait comment faire. Les petits carnivores déterraient tout ce qu'ils enfouissaient sous la terre. Les marais rejetaient sur la plage tout ce qu'ils jetaient dans la mer. Quant au feu, il provoquait une fumée nauséabonde qui empestait la maison et les vêtements. Vendredi avait eu l'idée de mettre à profit la voracité d'une colonie de grosses fourmis rouges qu'il avait découvertes à proximité de la maison. Tous les rebuts déposés au milieu de la fourmilière étaient dévorés en un rien de temps, et les os apparaissaient rapidement nus, secs et parfaitement nettoyés de toute chair. Enfin, l'Indien eut l'idée de fabriquer pour Robinson et lui une pirogue semblable à celle de son pays. Il commença à creuser à la hache le tronc d'un pin très droit et de grande envergure. Travail lent et patient qu'il ne ressemblait pas à la hâte fiévreuse dans laquelle Robinson avait construit l'évasion. D'ailleurs, encore vexé par son
échec, Robinson ne se mêlait de rien et se contenta de regarder travailler son compagnon. Vendredi avait commencé à faire du feu sous la partie du tronc qu'il voulait creuser, procédé qui avait l'avantage de hâter considérablement le travail, mais qui risquait, si l'arbre prenait feu, de tout compromettre. Finalement, il y renonça et se servit même d'un simple canif pour parachever le travail. Lorsqu'elle fut terminée, la pirogue était assez légère pour que Vendredi puisse l'élever à bout du bras au-dessus de sa tête. Et c'est ainsi, les épaules couvertes comme par un capuchon de bois, qu'il descendait vers la plage, entouré par ses gambades de thym et suivi de loin par un Robinson de mauvaise humeur. Mais lorsque le petit bateau commença à danser sur les vagues, Robinson ne fut bien obligé de renoncer à sa jalousie. Et prenant place derrière Vendredi, il saisit l'une de ses deux pagaies, simple que l'Indien avait travaillé dans des branches d'araucaria. Puis ils firent pour la première fois le tour de l'île par mer, accompagné de loin par Tain qui galopait en aboyant le long du rivage.